أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين، لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ده لسورة الفجر دو آيات que je lisais devant vous. Cette ayat-là, vraiment, si on regarde bien, ayat à propos de Adl Ilahi, justice de Dieu. Première chose, je vous le disais, cet hadith-là. Imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salatu wassalam, notre sixième imam, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, alayhi salam, a dit « Iqra'u surat al-Fajri » في فرائضكم ونوافلكم. Lisez-vous sur les Fajr tout le temps. Récitez sur les Fajr. في فرائضكم ونوافلكم. Dans votre prière obligatoire et prière sunnate aussi. Pourquoi? Sur les Fajr, est-ce que sur les Fajr c'est le meilleur surat ou non? Je vous le disais que meilleure sourate dans le Coran et Majid, c'est le sourate Tawhid. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ça c'est meilleure sourate. Pourquoi? Parce que il parle à propos de Tawhid Ilahi. Il parle à propos de Tawhid. Yani Allah tabarak wa ta'ala, notre bon Dieu, il est unique, seul Dieu. Il n'y a pas autre Dieu sauf le Dieu qu'on fait adoration pour lui tout le temps et tous les jours. Ça c'est meilleur surat. Mais surat al-Fajr aussi, Imam Ja'far al-Sadiq a dit Iqra'u surat al-Fajri fi fara'idikum wa nawafilikum. Alors je répète tout le temps cet hadith-là, que lisez-vous, récitez-vous Surat al-Fajr fi fara'idikum, dans votre prière obligatoire, votre namaz obligatoire et namaz sunnat aussi. Pourquoi? Imam Ja'far al-Sadiq, la suite des hadiths a dit li'annaha surat lil-Hussein alayhi salam. Parce que ça c'est surat à propos de Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Surat al-Fajr. Quand vous voyez le tafsir à propos de surat al-Fajr, là-bas, vous pensez que pourquoi hadith qui dit par exemple cette surat-là, surat spéciale pour Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Bon, retournez-vous au tafsir, regardez le tafsir. Dans le surat al-Fajr, si on regarde bien, le ayat 15 et ayat 16. Allah tabarak wa ta'ala a dit Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma l'insan Iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa'yakulu rabbi akraman. Insan c'est comme ça. Habitude de insan humain c'est comme ça. Si quand Allah tabarak wa ta'ala par exemple il donne le risque tous les jours, il donne le manger, le ilm, l'iman tous les jours, qu'est-ce qu'il a dit, insan? Insan, il a dit,
ربي أكرمني. الله تبارك وتعالى notre bon Dieu il m'aime par exemple. Habitude d'insan comme ça. Insan il pense que Dieu il faut donner tous les jours. Si il donne pas, cela veut dire il n'est pas juste. Ça c'est faux et faux et faux. Allah tabarak wa ta'ala quelquefois il donne, quelquefois il te fait examen, imtihan tout le temps. C'est pour cela Coran imagine beaucoup d'ayat. Allah tabarak wa ta'ala il répète tout le temps qu'on fait examen pour insan. Insan il pense pas qu'on laisse comme ça, il faut examen. Sur la terre, il faut examen. Surtout pour les mu'minin. Pour les croyants, il faut examen. Allah tabarak wa ta'ala, il te fait examen tous les jours. فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. Allah tout le temps, il donne ni'mat, il donne le bien, il donne le risque, il donne le manger, le boire. Insan, il a dit, Rabbi akramani. Alhamdulillah, moi je suis bien. Allah, il me fait bien. Mais par contre, c'est le contraire. Si Allah, tabarak wa ta'ala, il prend le risque là. Il prend le risque. C'est pas qu'il t'aime pas. C'est pas ça. Il te fait examen. Il te fait examen. Parce que tous les jours, avec examen. Il faut examen pour le mu'minin, pour le humain. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا. Allah, il enlève le risque, par exemple. Il donne tout le temps. Un jour, il enlève le risque. Humain, insan, qu'est-ce qu'il a dit? رَبِّي أَهَانَنِي. Dieu, il ne m'aime pas. Ça, c'est habitude mal pour nous. Habitude mal pour nous. Parce que, si on pense comme ça, cela veut dire Allah tabaraka wa ta'ala, notre bon Dieu, il n'est pas juste. Mais la justice de Dieu, c'est obligatoire. La justice de Dieu est obligatoire. Ceux qui croient que Dieu, il est là, Dieu, il est unique, seul. Lam yalid wa lam yulad. Dieu, il n'est pas enfant, par exemple. Il n'est pas maman, papa, tout ça. Il est seul, unique. Mais à propos de justice de Dieu, il ne croit pas. Il a dit non. Dieu, il est là. Mais il n'est pas juste. Ça, c'est kufr. Et ça, c'est shirk aussi. Kufr. Cela veut dire ça, c'est mécréant pour Dieu, devant Dieu. On pense tout le temps que Allah, tabarak wa ta'ala, il est juste. Rizq. Allah tabarak wa ta'ala, quelquefois il donne, quelquefois il enlève les risques, il prend le risque. Pour te faire quoi? Examen toujours avec le mu'minin. Alors vous voyez, A'imma alayhim afdalu salatu wassalam, notre imam, pourquoi tout le temps ils ont fait choukri khuda? Pourquoi notre A'imma alayhim, imam, ma'asoumin alayhim afdhalu salatu wassalam, le caractère de Dieu, les justices de Dieu, tout le temps, ils disent que Dieu est le juste. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu, la justice de Dieu, ça c'est sifat zat khuda. C'est le nafs khuda. C'est l'âme de Dieu avec la justice. Justice, c'est pas que le sifat caractère devient de, par exemple, dehors. Nos justices de Dieu, c'est avec Dieu tout le temps. Justice de Dieu, avec Dieu tout le temps. Sifat Amirul Mu'minin, quelquefois on dit qu'Ali yulma al-haq wal-haq ma'ali. À propos de Amirul Mu'minin, on peut dire comme ça, à propos de Dieu, par exemple, on laisse. Non. Dieu, c'est Oula. Avant tout, c'est Allah, tabarak wa ta'ala. Allah ma al-haq wa al-haq ma Allah, tabarak wa ta'ala. Ça, c'est bishak, sans doute, que Dieu tout le temps avec la vérité, et la vérité tout le temps avec Dieu. Ça, c'est sifat, caractère de Dieu, avec Dieu tout le temps.
tout le temps. C'est nafs khuda. Cela veut dire, c'est l'âme de Dieu, c'est comme ça. Ça, c'est sifatou, sifatullah tabarak wa ta'ala bilzat. Zat khuda, c'est ça. C'est la justice de Dieu. Allah tabarak wa ta'ala, il est juste dans toutes choses. Première justice, c'est ça. Allah, quand il donne le risque, il donne pour tout le monde. Même pour quelqu'un qui fait adoration avec les statues. Avec les statues. Allah, il donne le risque. Parce qu'ils sont humains aussi. Alors peut-être demain, ils font, aujourd'hui, il fait ça. Mais demain, il va retourner envers Dieu, peut-être. Nous, on pense que, quelquefois c'est comme ça, hein, que quelquefois, on pense que pourquoi Allah tabarak wa ta'ala pour le mu'minin, il ne donne pas tout de suite. Ou pour le mu'minin, il donne peu. Mais pour le kafir, pour le mécréant, Allah tabarak wa ta'ala, il donne tout de suite et beaucoup. On ne peut pas dire que ce n'est pas juste Allah tabarak wa ta'ala, c'est la justice de Dieu, c'est ça. C'est la justice de Dieu, c'est ça. Ça, c'est sifat khuda. Doustan, azizan et muhtaram. Adalat, ça, c'est deuxième usuledin. Ce n'est pas quatrième usuledin. Après Tawhid, c'est adalat. Parce que adalat avec khuda. Ça, c'est tout le temps avec khuda. Après adalat, c'est nubuwat, imamat. À la fin, c'est quoi? C'est le qiyamat, c'est le jour de jugement. Bon, c'est pas grave. Par exemple, quand on fait Usuleddin, c'est 5. Premier Usuleddin, Tawhid. Deuxième, c'est Nubuwat. Troisième, c'est Imamat. Quatrième, c'est Adalat. Le cinquième, c'est Qiyamat. Ça, c'est pas grave. Mais le Tartib, quand on regarde la liste vraie, c'est que Tawhid, ça, c'est première chose. Et avec Tawhid, c'est quoi? Le deuxième chose, c'est quoi? Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas deuxième chose. C'est la vérité. C'est qu'avec Dieu, ça. Cela veut dire Adalat, la justice, tout le temps avec notre bon Dieu. Alors, essayez de faire comme ça. Quand vous dites, par exemple, au Usuleddin 5, le premier Tawhid, et le deuxième Usuleddin, directement venez-vous sur le Adalat Khuda. C'est la justice de Dieu. Inch'Allah. On va parler beaucoup de ça, que justice, c'est ça. Parce que justice, ce n'est pas une seule chose. Dans une seule chose, par exemple. Justice, beaucoup de choses. Risque Khuda, ilm, tout ça, c'est justice. Iman, justice de Dieu, par exemple. Khilqat Khuda, créature de Dieu. Il y en a de justice. Pourquoi vous êtes noir? Pourquoi lui, il est blanc? Pourquoi il est rouge, par exemple? Tout ça, c'est la justice de Dieu. Inch'Allah, on va rentrer sur ça pour le prochain dars. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.